Alors Clément, là c'est ta première course professionnelle et au bout du deuxième jour de course tu prends l'échappée. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est ma première course pro et un peu mes premières sur la route aussi tout court. Donc voilà, moi je suis là pour apprendre le plus vite possible on va dire. Et donc c'est bien, l'équipe me laisse un peu de liberté là sur cette course. Pour prendre mes marques, que ce soit dans le peloton ou dans l'échappée. Du coup aujourd'hui j'étais déjà assez content de ma première hier. Aujourd'hui l'équipe devait essayer de prendre dans l'échappée, du coup on a réussi à y aller à deux avec moi, avec Vignam, mon coéquipier. Et puis bah voilà, ça s'est plutôt bien passé. Vignam il a pris les points pour la montagne et moi je devais essayer de finir d'aller le plus loin possible. En plus j'étais quand même un peu placé au général avec le temps de la partie. Et voilà, on a bien roulé. Bon, j'étais un petit peu juste à la fin, c'est un petit peu normal aussi. Pour l'instant, je manque un peu de fond hein, par rapport à ce que je faisais en VTT. VTT, c'était 1h30, donc là, forcément, au bout de 4-5 heures, j'ai pas encore la force pour finir, mais ça va, je suis assez content de moi. Ouais. Là, t'as été repris à combien de kilomètres de l'arrivée hein? Je crois j'ai sauté de l'échappée à 8, je crois, et j'ai dû être reprendre par le peloton à 7 bornes, du coup. Tu as cru à un moment que c'était possible d'aller au bout hein? Je savais pas trop, je me doutais que ça allait être un peu juste, parce qu'il fallait quand même, je pense qu'il fallait qu'on ait au moins 30 secondes au pied du mur à l'arrivée. Mais il y avait quand même des gros moteurs dans l'échappée avec de la partie Hugo Hull et Cyril Barthes. Je savais qu'ils étaient très en forme après l'école de BC. Donc voilà, bah, on a fait le maximum quoi. Mais bon, quand j'ai vu que l'écart était en dessous d'une minute, je me suis dit que ça allait commencer à être compliqué. Puis moi j'étais déjà bien à fond. Donc voilà, on a fait au mieux quoi. Quel bilan tu fais de cette journée hein? Bah, c'est bien, très enrichissant, première échappée et tout. Pour moi, pour l'instant, c'est idéal. Hein. Je vois un petit peu toutes les situations de la course. Et voilà, pour moi, c'est un super apprentissage. Demain, tu vas essayer de retourner dans l'échappée ou qu'est-ce que tu comptes faire demain? On verra comment sont les jambes déjà. Et puis voilà, bah, non, on va pas commencer à tirer des points sur la comète pour demain. Ça va être très dur et je pense que j'ai quand même pas mal d'énergie aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que ça fait pour toi là, de courir du coup, cette première course professionnelle avec un gros plateau, des Geraint Thomas, des Thibaut Pinot notamment hein? Ouais, c'est sûr, pour une première, il y a un gros niveau. En soi, ça me dérange pas, au moins, bon, ça me lance direct dans le grand bain, on voit ce qu'il y a de mieux, il y a le train Ineos qui roule et tout, c'est un petit peu impressionnant d'être à côté de tous ces gars que je regardais à la télé encore l'année dernière, mais voilà, c'est une super expérience et puis bah, voilà, je pense que c'est encore plus enrichissant d'apprendre sur une course avec un gros niveau. Ça permet aussi de se tester, de voir où j'en suis physiquement, me jauger un petit peu. Donc voilà, très bien. Bah, du coup justement oui, tu prouves que t'es dans l'allure là, dès ta première course. Tu disais là hier t'étais un petit peu placé, puis là aujourd'hui tu prends l'échappée, donc j'imagine que ça te rassure vu que tu partais un petit peu dans l'inconnu. Hein. Ouais c'est sûr. Après, c'était mes plus gros doutes, c'était pas forcément physiquement, c'était plutôt l'appréhension un petit peu du peloton, tout ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que physiquement, oui, je suis dans le coup, malgré le fait que voilà, je paye cash toute mon inexpérience niveau placement, etc. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir, je suis dans l'allure, je subis pas trop, et au moins, voilà, je me fais plaisir, et voilà, c'est très bien pour commencer. Ouais.